Et voilà, donc une limonade extra rapide. Donc vous pouvez même rajouter des menthes, enfin des feuilles de menthe à l'intérieur, ça sera le top. Donc bien fraîche, en 2 minutes à peine c'est prêt. Donc comme je disais, vous pouvez rajouter des menthes de feuilles, enfin les menthes, voilà, la menthe en feuilles. Vous mettez directement à l'intérieur, ça sera le top. Donc avec des glaçons, super, on a le goût de l'orange, à la fois et le goût de citron, c'est vraiment top. Donc voilà, voilà, je vous poste la recette, c'est vraiment très simple à faire et rafraîchissant. Donc avec un citron et une orange, vous pouvez faire 3 litres, c'est énorme. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne réalisation et à bientôt pour une nouvelle recette. Donc rafraîchissez-vous, c'est le moment. Il fait très très chaud. Bisous, ciao! Donc comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai tout pressé. Donc vraiment, vous faites bien ce geste-là. Ça, vous enlevez tout votre limonade. Et il ne reste plus rien du tout. Voilà, donc ma limonade, elle est prête. Et comme je vous ai dit, regardez, toute la peau du citron, etc., ça reste là. Donc avec ça, vous pouvez faire, je sais pas, vous pouvez mettre dans le produit ménager, mélanger avec du vinaigre. Voilà, ça sentira vraiment le côté donc portacal, donc orange, citron. Et ça sent super bon. Voilà. Mais bon, on va pas se casser la tête avec ça. Donc moi, ça sera poubelle. C'était juste pour vous dire. Et donc ma limonade, elle est là. Donc ça me fait exactement 3 litres. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous servir un petit verre en petite vidéo et puis je reviens. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris mon truc, donc ma petite bouteille que je mets tout le temps, où je mets tout le temps de la limonade. Donc moi j'ai ça, donc c'est vraiment un truc sur la tête quand on sort de... Mais je l'utilise vraiment que pour la cuisine, d'accord? Donc là je vais filtrer. Si vous avez de la tulle ou un truc comme ça, donc vous pouvez regarder, c'est vraiment très très fin. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un nœud pour pas que ça retombe. Et là, je vais commencer à mettre ma limonade. Donc ça va être un peu dur parce que là, j'ai mon meuble de cuisine qui est juste au-dessus. Je vais le faire devant vous, comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, ça tombe petit à petit. Et donc tout le surplus qui va me rester, ça va rester en haut. Donc bien sûr, après, j'aurai plus qu'à essorer avec mes mains. Et puis c'est bon. Ok. Allez, on continue. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout mis. Donc là, je vais commencer à presser avec mes mains. Et puis là, voilà, c'est vite. Donc là, avant de mélanger, je vais juste prendre une cuillère à café, voilà, d'acide citrique, comme ça. Et on vient mélanger bien tout ça avant de filtrer. Et voilà, vous avez une bonne limonade, franchement. En 2 minutes, top chrono, elle est prête. Donc bien sûr, avec un beau de glaçon sur la terrasse. Super. Donc vraiment, en fait, il faut pas grand-chose pour faire cette limonade-là. C'est pas comme l'autre que je vous avais fait, mais l'autre, c'était vraiment une professionnelle. Donc elle vient d'un barman. Donc celle-ci, elle est vraiment... On la voit partout. Et elle est vraiment très, très basique. Donc comme je dis, il vous reste un citron à la maison. Il vous reste une orange. Allez hop, on fait 3 litres de limonade sans aucun problème. Puis par les beaux jours qui arrivent, et je pense que ça va être caniculé, on va dire, cette année. Donc c'est vraiment le top, quoi. Donc là, c'est bon. Donc je vais ramener un truc pour filtrer. Et puis ça sera prêt. Donc là, j'ai pris un récipient. Donc j'ai pris 2 bouteilles d'eau, vu qu'ils font 1,5 litre chacune. Donc vous mettez votre eau. Donc là, j'ai mis 3 litres d'eau, d'accord? Donc j'ai pris 2 bouteilles de 1,5 litre. Ensuite, on va venir donc avec notre petit sorbet, si je peux me permettre de dire ça. Et on va mettre tout ça à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, ça va être bien sûr filtré tout à l'heure. Hein. Bien rincer pour bien prendre la totalité. Vous voyez? Donc là, on va bien venir le mélanger avec un fouet. Donc comme vous pouvez le voir, regardez, ça va vous faire comme un espèce de sorbet. Voilà, donc vous inquiétez pas, mais il faut bien insister
pour bien faire mélanger tout ça, d'accord. Ensuite, on va prendre comme une bassine, on va dire, ou un récipient. Vous mettez de l'eau là-dedans. On va venir mettre tout ça, donc ce mélange-là, dans l'eau avec une cuillère à café d'acide citrique. Donc vraiment, en fait, cette limonade-là, c'est vraiment quand on n'a pratiquement rien dans le frigo, on n'a rien. Il nous reste un petit citron par-ci, une orange par-là. Allez, go, une bonne limonade maison, il n'y a rien de mieux. Donc l'acide citrique, vous pouvez en trouver vraiment partout. Moi, il vient de chez mon épicier turc. Ça fait je ne sais pas combien d'années que je l'ai, 2,49€. Donc voilà. Donc là, mon mélange, il est parfait. Regardez, on dirait même, voilà, comme je vous dis, un sorbet, mais pas du tout. Donc allez, go, je vais prendre de l'eau dans une bonne marmite ou une bonne bassine. On va mettre tout ça donc à l'intérieur. On vient mélanger bien avec un fouet. Donc une fois que j'ai bien tout coupé, donc je rajoute mon sucre avec. Et là, je vais commencer à mixer. Vous voyez? Donc vous fermez et on va mixer. Il faut bien bien mixer, hein. Cette étape-là, elle est super importante. Donc là, je coupe donc l'orange et le citron donc en petits morceaux. Vu qu'on va mixer tout ça. Donc vous mettez ça une nuit au congèle, c'est parfait. Et avant de vous servir, vous les sortez 5-10 minutes avant de mixer tout ça. Donc là, je coupe. Une fois que j'ai coupé, je commence à mettre dans mon mixeur comme ceci. Et je continue. Donc il me reste ça et puis le reste de mon citron. Et on va mixer avec le sucre en fait. Donc l'orange avec le citron, on va les mixer bien comme il faut, donc avec le sucre. Ensuite, ça va très simple. Franchement, cette limonade, elle vous prend 2 secondes à la faire, hein. Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Donc là, je viens de finir mon ménage et après un bon ménage, une bonne limonade bien fraîche. Donc, c'est pas la même recette que j'ai postée avant. Celle-là, elle est vraiment très très basique et super simple avec peu d'ingrédients. Voilà, on va dire avec moins de quantité de citron, etc. Donc là, j'ai une orange et un citron. Donc, que j'ai mis, donc comme vous pouvez le voir, dans le congélateur. Donc, vous le laissez une nuit et le lendemain, vous ressortez ça. Il me faut 1,5 verre d'eau, donc de sucre en poudre. Après, le sucre, c'est vraiment la quantité que vous souhaitez. Ça dépend si vous aimez bien sucré ou pas. Donc, j'ai mis 1,5 verre. Mes verres, sachant qu'ils font 240 ml. Et là, il me faut de l'acide citrique limontoso. Donc, je vais prendre une cuillère à café. Bien sûr, 3 litres d'eau parce que cette quantité-là, elle vous donne 3 litres de limonade. Et puis, un mixeur pour mixer tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais couper donc l'orange et le citron en petits morceaux.